L'Afrique ne devait pas ressembler à ça. Ça n'aurait pas dû être la dernière mission. Ok, tout le monde. Il faut rejoindre ce village. Le scan de Race montre 3 itinéraires possibles. Compris. Dukes, tu prends l'itinéraire B. Le scan montre une grande présence organique. Attends-toi à rencontrer du monde. Une grande présence organique. Tu crois m'impressionner avec ça? Creed et Wilson, vous prenez l'itinéraire A, à travers la jungle. C'est la saison de la chasse. Logan, le village est au nord de ta position. Sécurise la zone et trouve un moyen de pénétrer dans ce village. Compris. Terminé. Dépêchez-vous, les gars! Il faut coordonner l'attaque contre le village. Je veux tout le monde en position. Terminé!
te mets pas en travers de mon chemin. Thank you.
c'est ça? Je vois 5 ennemis de ce côté. Facile. Des mercenaires, incapables. Creed est en position. T'es prêt, Victor? Oh oui, la chasse est ouverte. En douceur, Victor, compris? Race, occupe-toi d'eux. Ce sont des mineurs de fer, patron. Rapporte plein de pierres. Ce n'est pas du fer. Demande-lui d'où vient cette roche. Il dit que cette pierre est spéciale. Il dit qu'elle vient du ciel. Il dit la vérité. Ferme-la, Logan. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Non, je me fie à mon flair. C'est un fragment de météore. Dis-lui que cette roche a plus de valeur que sa propre vie. J'ai tout fait pour me montrer gentil. N'y pensez même pas. Qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Rompez, capitaine. J'ai jamais signé pour ça. Bien sûr que si. Recule, Wade. Mon frère, ma responsabilité. Et je donne les ordres. Laissez-moi se rabattre, nous.
Montre-moi quoi tu es capable. On avance sur la cible. Activation du mode circuit. T'es leur meilleur élément, c'est ça. Gardez vos distances. J'active le camouflage. Avant de vous étriper, je veux savoir pourquoi. Logan, tu es revenu participer à ces guerres. Nous avions besoin de tes pouvoirs pour le tueur de mutants. Deadpool. Tu as été particulièrement facile à berner. Qui êtes-vous? Raven? Elle est bien réelle, Logan. C'est elle. Parle-lui du jour où tu es morte. Ils m'ont donné une seringue pleine d'hydrochlorothiazide. Ça fait descendre le rythme cardiaque près de zéro. Le pouls s'arrête environ 6 minutes. Kayla est un spécimen très précieux, Logan. Elle détient un pouvoir mutant de téléhypnose. Elle a la capacité d'influencer les gens par contact physique. Ça n'a jamais été réel. Ça l'a été pour moi. Je ne veux pas te tuer, Logan. Il y a une autre option. Tu peux vivre en sachant que la femme que tu aimais t'a trahi. Ou quoi? Nous pouvons effacer ta mémoire. Tous tes souvenirs. Cette histoire que tu m'as racontée, à propos de cet homme qui va cueillir des fleurs sur la Lune. Je pensais que tu étais la Lune et que j'étais ton amant, mais dans cette histoire, t'as joué le rôle de Philou. Et moi, je suis l'idiot qui tombe dans le piège. Non, Logan. J'accepte. Tous tes souvenirs vont s'évaporer, comme si rien ne s'était jamais passé. Bien. Et si ça ne marche pas? Une balle d'adamantium en pleine tête effacerait sa mémoire. Colonel! Passeur! Non! C'est tout ce que vous m'aviez demandé! Vous disiez que vous la laisseriez repartir! Je vais vous tuer. Voyons. Je cicatrise aussi vite que toi. Est-ce qu'au moins tu sais comment me tuer? Je vais commencer par t'arracher la tête. On verra bien si ça marche. Oh!
Tu sais ce qui t'énerve autant, moi? C'est que je suis exactement comme toi, au fond. Un animal. Allez, finissons-en. Non, Logan! Tu n'es pas un animal, et je ne t'ai pas forcé à m'aimer! Même quand je n'étais pas en contact avec toi, tu m'aimais! C'est grâce à elle si t'es encore en vie. Je suis désolée. Stryker retient ma sœur prisonnière. Il a dit qu'il la tuerait si je ne faisais pas ce qu'il me disait. Wade, c'est toi. Kayla va sauver ta sœur. Je m'occupe de ça. Je t'ai connu plus bavard. Tu préfères jouer aux mercenaires taciturnes? D'accord. Si c'est comme ça que tu veux la jouer. Faut admettre que la chirurgie t'a rendu moins laid. Surprise à me montrer. Ces lames sont censées m'impressionner. Comment t'as pu laisser Stryker te faire ça? Désolé que ça finisse comme ça. Il a dû s'approprier le pouvoir de Race. Faut admettre que la chirurgie t'a rendu moins laid. T'as d'autres surprises à me montrer? Ces lames sont censées m'impressionner. Comment t'as pu laisser Stryker tout Yeah!
chirurgie t'a rendu moins laid. Jusqu'à ce que la tour s'effondre et qu'elle nous tue tous les deux. J'avoue que ça m'a traversé l'esprit. Pourquoi tu ne m'as pas tué, Jimmy? Parce que même si je déteste la bête, nous sommes frères. Eh oui, nous sommes frères. Nous sommes deux animaux. Je ne suis pas comme toi. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je dois trouver Kayla. Ne t'inquiète pas. Tu pourras toujours compter sur moi pour ne jamais cesser de te rappeler qui tu es vraiment. Logan, je... Hey, et si on parlait de ça à la maison? Les hommes comme nous ne retournent jamais chez eux. Tu devrais peut-être utiliser cette arme contre toi-même. Marche tant que tu pourras. Tu as toujours cherché à tout oublier. Mais si tu devais te souvenir de moi, souviens-toi que je t'ai toujours aimé. J'ai toujours été Wolverine. Et j'ai toujours été seul. Je serai sans doute seul jusqu'à ma mort. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. J'ai fait du chemin depuis tout ce temps. Parfois, j'aimerais pouvoir oublier aussi toutes ces années. Tous ces morts. Tout ce gâchis. Mais j'ai encore des choses à faire. J'imagine que je devrais te remercier. Quand tu as détruit ma sentinelle, j'ai été obligé de reprendre toutes mes théories sur la robotique et la prothétique. De quoi tu parles, vieux? Oh oui, j'ai entendu dire qu'on t'avait mis de l'adamantium dans le crâne. Tu ne dois pas t'en souvenir. Dommage. Vois-tu, j'ai l'intention de te faire du mal. Ce serait tout de même mieux si tu savais pourquoi. Garde! Garde!
Ce qui est sûr, c'est que rien n'a marché comme prévu. Mais c'est pas une raison pour renoncer. Ce monde est déréglé. Mais j'ai l'outil qu'il faut pour le réparer.